poussière de fuite. On voit bien ici la caméra thermique, l'humidité qu'il y a derrière. On a bien des infiltrations et tout le long, ça descend jusqu'ici. Là, les infiltrations ici, on les a ici, on les a au niveau des vis. On a la même chose de ce côté. On voit bien qu'il y a déjà eu une réparation de fait. Pardon. Ici. Hop. On voit bien que l'eau descend dans ce sens-là. De droite à gauche. Et puis, il va longer les canalisations. Et avec la caméra thermique, on a pu voir de l'autre côté. Je vais faire un réglage. C'est ce que je vais mettre en automatique. On le voit. Hop, le tuyau il est là. Il va à l'intérieur. Ok, on a compris. On a les dégâts des eaux suite au passage de l'eau quand ils prennent une douche. Va juste derrière qui a créé cette dégâts aussi, ce dégât va juste derrière ici, longe, le tuyau elle rentre de ce côté et puis va directement au local à l'intérieur. La fuite est bien de là-bas. Suite à des. En prenant la douche, c'est pas un problème d'alimentation, etc. C'est bien une infiltration. Hein. Seulement. Exactement à droite. Ici, au niveau du bac du receveur de douche, on voit bien des écartements, il y a tout à refaire. Cette idée, recherche de fuite.